Et bien salut tout le monde, c'est XDSK, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'aventure sur Avatar. Et il est où mon Ikran? Ikran? Tu crains un peu, hein? Mais punaise, mais tu vas où? Reviens gros! Yeehaw! Ah, je suppose qu'on n'arrive pas loin de la fin. On doit nous rester 6-7 missions, grand max. Finalement, elle aura duré longtemps, hein, le jeu, quand même. Hein. Enfin, si on retire le farm, pas trop en soi, mais... Ah, je sais pas. Je vous avouerai, je trouve que je me fais vieux. 36 ans, les jeux où il faut farmer, je vous avouerai que ça devient de moins en moins mon dada. À force de voir la même chose encore et encore et encore, ça me plaît de moins en moins, en vrai. 8 jours ! La police ! Une certaine tour. Ils portent la marque. Je pensais qu'ils étaient morts. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Le retour des Sarentours. Pourquoi sont-ils ici ? Une Sarentouvi. Ce clan a disparu depuis bien longtemps. Alors, qui ose souiller notre sol avec tous ces mensonges ? Je cherche votre Tsarik. Ceux qui viennent du ciel nous ont attaqués. Beaucoup sont blessés. On m'a dit que les Kametire étaient des soigneurs. On a besoin d'aide. Il n'y a rien pour toi ici. Surtout pas notre Tsarik. Ne serait-ce pas là notre devoir ? Notre clan doit aider ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, notre Tsarik tue, au lieu de soigner. Les voix des Sarentu ne sont plus parmi nous. Que des mensonges. Mais quel mensonge ? La marque est bien là. Il suffit. Tu viens salir la mémoire de nos amis Sarentu. De toute façon, elle vit recluse. Très loin d'ici, et hors de question de la déranger. Quitte ces lieux, imposteur. Nous n'avons pas besoin de toi ici. Tout le monde n'approuve pas la méthode de Mokasa. Retrouvons-nous au cercle des ancêtres, là où Eiwa nous montre le chemin. Yeah, j'adore pas être le bienvenu. C'est où le cercle des ancêtres? C'est où? En tout cas, c'est dans la zone. Sur ma droite, apparemment. Là-haut? Non, c'est en bas. Je n'ai jamais vu de Sarentu. Et je pensais ne jamais en voir. Puis, tu es entré dans le foyer des Kametire, comme si de rien n'était. Je ne savais pas. Quoi? Qu'on nous pense responsables de la mort des Sarentu? Mais c'est la RDA qui nous a pris, non? Pourquoi vous gâcher? On ne se cache pas. Les autres clans nous ont tourné le dos. Et maintenant, Mokasa est notre seul guide. Notre Tsarik, Atufi, s'est perdu dans les méandres de son esprit. Atufi, où puis-je la trouver? Personne ne voit Atufi. Mokasa l'interdit. Elle a arrêté de se battre pour nous il y a bien longtemps. Mais j'aimerais simplement lui parler. Peut-être que voir un Sarentu nous la ramènera. Elle a trouvé refuge près des chutes, derrière la capitale. Si tu la vois, dis-lui que Sanei t'envoie. On les a fait détaler. Pour l'instant. Hein? T'as fait des taliki, meuf. Oh, noble. Ah, il est stylé quand même, en vrai. Mais bon. C'est dommage qu'on peut pas avoir les... Ouais! Pourquoi il est marqué vite? Ah, on peut quand même choisir de garder les visuels. Ça, j'avais pas tilté. Vas-y, je vais mettre un visu... Ah! Attendez,
Ah, j'avais pas vu qu'on pouvait customiser comme ça en vrai. Sympa. Vas-y, je vais voir si je peux pas changer le visuel de ça. On peut avoir des bottes de la RDA en vrai. Et les gants, qu'est-ce que je peux mettre? Ouais. Ah, c'est bien pensé ça. Par contre, ce petit haut là, oh, il est dégueulasse. Autre chose en visuel. C'est marrant, ça change rien. C'est mal. C'est vrai que ça change pas grand chose. Moi qui ai déjà un cosmétique appliqué, non, il n'y a rien. Ah, c'est peut-être avec le torse. Oh, c'est pas grave. De toute façon, c'est un FPS, hein. C'est pas comme si l'aspect cosmétique de notre personnage était réellement important. Hein. Bon, comment est-ce que je peux faire pour appeler mon Nickpad? Ah, elle ne vient pas. Gagner un point de compétence? Ouais. Mais juste un, c'est pas beaucoup. Allez, viens, ma biche. Ah, mine de rien, je serais quand même éternellement déçu du fait qu'on ne puisse pas jouer un Navi ou même un gars de la RDA. Franchement, ça aurait été trop cool. Qu'on puisse dire, ouais, non, vous savez quoi? La planète, tout ça, Pandora, rien à secouer, on va la piller, on va la détruire. Et non, hein, fallait forcément qu'on soit un putain de bobo écologiste de merde qui va sauver sa planète, hein. Franchement, les développeurs, ils veulent jamais faire plaisir à mon envie de massacrer le plus de gens possible. Que ce soit femme, homme, enfant, chihuahua. Non, ça, j'y aurais jamais droit. Hein. Ou dans Baldur's Gate, techniquement, je peux faire un run génocide. Ça doit être ici que vit Atufi. Bah, maintenant, le problème, c'est qu'il faut la trouver. Il y a un panier communautaire là-bas, ça veut dire que ce soit le bon chemin. Ah, il doit y avoir une autre entrée. Ah là là. Ah bah on va chercher hein, du coup. Regardons sur les hauteurs, tout ça. Allez. Elle est en bas, mais je dois trouver une nouvelle entrée. Ici. Ah. Ah ben. Bonjour. Et vous? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu es perdue, étrangère? Je cherche Atufi. Je suis désolée que tu sois venue de si loin pour rien. Sa Ney m'a dit qu'elle vivait ici. J'ai besoin d'une chamane. Et Atufi est la meilleure. Notre Tsaïk ne voit plus personne. Mokasa l'interdit. Je reste avec elle pour m'assurer qu'elle va bien. J'aimerais simplement lui parler. Mon peuple a besoin de son aide. J'ai vu ta marque. Peut-être fera-t-elle une exception. Et peut-être que tu peux l'aider aussi. Je ferai de mon mieux. Comment je peux faire pour entrer? Elle a érigé cette barrière avec ses champignons. Je ne sais pas comment. Elle dispose de sa propre entrée secrète. Je ne peux pas t'aider, mais je ne t'arrêterai pas non plus. C'est
cette barrière de plantes. Comme celle de la volière. Ah, ça y est! Je dois trouver les autres. Ça pas suffit, je parie. Je sens qu'il y en a une cachée quelque part. Oula, d'accord, il y avait aussi ce chemin là. Ok, ça se fait. Il y a ce chemin ici. Ah, faut remonter à haut. Alors, hop. Avec celui-là, ça a l'air. Je crois que j'ai trouvé. C'est bon. Et mamie, t'es où? J'aime pas si je te vole vite fait, hein. Oh, on a une upgrade, incroyable. Ah, je peux pas sortir, d'accord. Mamie, t'es médoc, mamie. Atoufi ? Avance dans la lumière où je pourrais te voir. Oh, on m'a dit que tu étais la meilleure chamane des Kamatire. Mensonge. Oui, il fut un temps où soigner me faisait me sentir bien. Et aussi puissante. J'avais le pouvoir du mal. Ses mains en sont la preuve. Et... j'ai fini par créer ceci. Voilà. Je l'ai fait pour soigner, mais ça n'a causé que du mal. Et maintenant, ton peuple gît dans le brouillard. Qu'est-ce que tu as fait? Mon enfant. Je t'ai tué. Comme les autres. Non. Ceux qui viennent du ciel nous ont tués. Non. C'était moi. Il y a déjà tellement de morts. Non. Je te l'ai dit, c'est bien trop dangereux. Je ne veux pas prendre le risque de soigner d'autres innocents. Mais si tu ne les aides pas, nos blessés vont mourir. Alors ils vont mourir. Connasse. Tu les as trouvés? Je viens de voir la Tsaïk Atoufi. Ce n'était pas simple. Je t'avais dit qu'ils s'étaient reclus. Il n'y a pas que ça. Quelque chose cloche. Elle a l'air perdue. Elle pense avoir tué les Sarentu. Est-ce que c'est possible? Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'elle a dit autre chose? Qu'elle ne peut pas nous aider et que nous sommes perdus dans la brume. C'est étrange. Peut-être qu'elle veut cacher quelque chose. Personne ne veut m'aider. Ils ont l'air d'avoir peur. Alma dit qu'on ne peut pas leur
Kamethiré ont toujours été bienveillants. C'est étrange. Il doit y avoir un autre chaman Kamethiré. N'importe qui. Une des gardes d'Atufi. Elle m'a déjà aidée. Je vais voir ce qu'elle sait. Ah, vous êtes bien difficile, hein? Elle est où la gagarde? Bon, tu vas m'aider ou alors je vais me toucher tout seul là? Pourquoi Atufi refuse de m'aider? Je pensais que c'était une soigneuse. Atufi est troublée. Il lui faut du temps. Mais je n'ai pas le temps. Ceux qui viennent du ciel nous ont attaqués. Beaucoup sont morts, d'autres sont malades. S'il vous plaît, je ne sais pas où aller. Personne ne doit savoir que je t'ai aidé. Mais il y a un autre chaman. Il s'appelle Sioul. Où puis-je le trouver? L'herboristerie est interdite. Mais Sioul persiste. Pourquoi c'est interdit? On m'a dit que vous étiez de grands herboristes. Si tu trouves Sioul, il t'expliquera. Je peux pas vous aider si personne me dit ce qui se passe. Parle à Sioul. Les herboristes se sont établis dans les gorges. Il sera peut-être là-bas, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est tout ce que je peux te dire. Maintenant, va-t'en. Je comprends. Merci. Oh là là, c'est quoi ce peuple qui veut pas aider, là? Quête terminée. Nouveau plan. Quelque chose t'a fait peur? Combien de points de compétences gagnés? 2. Pas intéressant. Quand même casse-couille qu'il faut finir des non, quêtes pour avoir... Si you... Est-ce qu'il va nous aider? J'espère. Tu aimes ça, Fury, pas vrai? En tout cas, on est sur une quête de niveau 14 maintenant. Ça commence à se resserrer, hein, en termes de... C'est level requis. Du coup, je pense que pour finir le jeu, il faut être niveau 15. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il faut être niveau 15. Par contre, si on passe de niveau 14 à niveau 16 et après 18, etc., là, je vais grincer des dents. Alors, il est où l'herboriste? Ah! T'es où? Wall, ce vieux grincheux. Si égoïste, il pense qu'il peut disparaître sans rien dire à personne. Il n'a rien voulu dire. Mais même moi, j'ai remarqué qu'il était contrarié. Ça fait plusieurs jours que personne ne l'a vu. Et toi? Où l'as-tu vu pour la dernière fois? Y a-t-il un endroit où il aime aller? J'ai vérifié tous les endroits habituels. Famouk devrait le savoir. Je les ai entendus parler d'une prairie. Famouk est sans doute en train de cueillir des plantes près du bivouac des chasseurs. Reste ici au cas où Uwol reviendrait. Je vais parler à Famouk. Prends ça avec toi. Ceux qui viennent du ciel rôdent par ici. Arc court noble. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi, please? Regardez! Il up même pas! Et puis, c'est qu'il a perdu donné de stats! Par contre, Ah, là-bas. Comment on y va? Par là? Eh oh! Sioul? Sioul? Nor, je suis à l'atelier de Sioul. Ça a l'air abandonné. Depuis un moment. Pourquoi il y a autant de Kamethiré qui disparaissent? Tu penses que c'est le Yavé? Je vais jeter un œil.
Ah yes, j'adore chercher. Ma passion. Si Yul essaie de créer quelque chose avec cet épineuil. Un épineuil malade? C'est un chaman. C'est bizarre de sa part. Pourquoi ça brille, je peux pas interagir avec? Une peinture de canyon, des empreintes de mains. Si Yul voulait peut-être que quelqu'un le suive. Si Yul cherche à faire quelque chose, mais la garde d'Atufi a dit que l'herboristerie est interdite. Peut-être que Si Yul ne pouvait plus se cacher ici. Peut-être qu'il y a l'étrange épineuil aussi. C'est proche du Yavé. Je vais essayer de le trouver. Allez, en route. Désolé si j'ai mal réagi. Désolé si j'ai mal réagi. Mon peuple a été trucidé et toi tu réagis comme ça. Meurs. Dès qu'à moi vous mourriez tous. On va déjà tous tuer avec ma mitraillette. XVSK éternel génocidaire. Allez. Putain, c'est loin! Tiens, d'ailleurs, on est où sur la map? On est. Ah! Ah, bah oui, c'est la dernière zone du coup, hein. On est proche de la fin. Nord, je crois que j'ai trouvé le canyon. Il ressemble beaucoup au dessin de Sioul, mais je ne le vois nulle part. C'est une perte de temps. Tu devrais peut-être en revenir. Attends, je vais chercher cet épineuil. Épineuil? Je sais même pas à quoi ça ressemble, un épineuil! C'est pas ici à tout hasard. Oh merde, du gaz! C'est là-bas? Examiner l'épineuil. Quel épineuil? On va suivre l'odeur, ça ira plus vite. Aïe 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 aïe. Ah, ça fait mal! Bien sûr, j'ai pas de nourriture résistance au poison, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour esquiver le plus possible la zone dangereuse? Et... C'est loin, c'est très loin. Très 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 loin. Très loin, très très loin. Mais genre vraiment très très loin. Aïe aïe aïe. Je peux rentrer là-dedans. Ah bah allez, d'accord, faut y aller, hein. Et quand même amusant, c'est qu'on n'a jamais eu de masque de la RDA pour pouvoir respirer en environnement toxique.
peut-être dû garder mon... mon icrane. Il est parti se planquer où, là? On qui avait très pied, ça use, ça use. Ah, une ancienne base de la RDA. Il y a une installation de la RDA. C'est calme. Pas de RDA ici. Tu crois que si ou les... Mais est-ce qu'il y a du loot? Une seule façon de le savoir. Il est peut-être désespéré. Aucun vrai Na'vi ne manipulerait du métal. Ça n'a pas le moindre sens. Ça dépend, ton sang, tu le veux bien cuit? Il est là, le cochonou. Ça ne va pas. Okur ? Oh, pardon. Je sais que ça a l'air bizarre, mais ce n'est pas moi. C'est pour de la recherche, pour enlever le Yahvé. Mon mentor Sioul a trouvé tout ça. Je me suis dit que je pouvais continuer son travail maintenant qu'il est mort. Sioul est mort ? Je suis désolée. J'espérais qu'il pourrait m'aider. Atufi semblait terrifié de me voir. Quoi? Tu as parlé à Atufi? Sioul a toujours pensé que ce n'était pas sa faute, ce qui était arrivé au... Oh. À mon peuple. S'il avait raison, peut-être qu'Atufi pourra enfin, je ne sais pas, arrêter de s'en vouloir. Enseigner de nouveau nos traditions à des gens comme moi. Sioul venait tout le temps ici. Il était persuadé que le Yahvé cachait des secrets sur le sort des Sarentu. Trouve la vérité, disait-il. La vérité? À propos de ce qui est arrivé à mon clan? À propos de ce qu'Atufi a fait? Ou n'a pas fait? Sioul essayait de nous protéger du Yahvé. Tout son travail est ici. Mais je ne peux pas entrer. Et il y a aussi du Yahvé. Tu crois que les objets de ceux qui viennent du ciel pourraient nous aider? Je sais pas, je veux pas le savoir. Enfin si, je veux le savoir parce que techniquement c'est ce qui me permet d'avancer. Si j'étais un avis moi-même, je dirais va te faire foutre, allez, salut, au revoir, bisous. Attention, problème électrique détecté. Un problème électrique. Je crois pouvoir dissiper le Yahvé d'ici. Ce générateur doit être connecté au système de ventilation, mais j'ai besoin de composants électriques. Oh, tu sais, il y a ceux qui viennent du ciel dans le coin. Et tu penses que si on leur demande gentiment, ils vont nous donner ce qu'il faut? Ah, peut-être que tu peux faire ça discrètement. On doit récupérer les recherches de Sioul. Elles nous apprendront tous les secrets du Yahvé, je crois. Non, je le sais. Trouver des composants dans l'usine, il se trouve... Ah! Wesh. Alors... Wesh, c'est loin! Hé hey, Priya, tu sais où la RDA entrepose son équipement électrique? Tu prévois une petite vieille shopping? Ah, j'ai failli me casser la figure. Enfin, tu disais? Tu prévois une petite vieille shopping? Je te dirigerai bien vers le bon rayon, mais tu risques de pas comprendre. N'importe quel générateur
Merci, Priya. Y'a pas de quoi. Ok, donc je vais devoir faire en gros une zone de la RDA, c'est ça? Ah, allez, on va activer le mode bourrin. Une mine agrémentée d'un réservoir instable. Ouais, pas grand monde, ça devrait le faire. Toi, tu sens que c'est une base scénaristique, hein. Ouais, c'est une petite bosse, ça. Nous, je l'ai pas touché. Allez, YOLO, let's go! Dis donc, ils sont sourds ou bien? Ah putain, je sais plus comment on fait. On est là. Là. Là-bas, ici, là-dedans. Ah, c'est pas grave, on va tousser un peu. Alors, next. Là-bas. T'as l'air con quand t'es morte. Ah mais wesh! Non, appelle pas des renforts, putain! Allez, on va se faire gazer un petit peu. Allez, respire à plein poumon, là. Mmh, ah, c'est prêt. Mmh. Eh! J'ai pas envie de mourir. Ici, hein. J'attaque le singe bleu. Le singe bleu, carrément. Et voilà.
Une base gratuite, une. Bien compris, on décolle. Chef, évacuation tactique en cours. Infiltration en valait la peine? Infiltration, ta gueule! Pas de l'infiltre ça, j'ai bourriné. Il y a pompe neuve 200. Ah, il fait 280 le mien. Ouh! Une petite upgrade! Nice! Alors, saboter le générateur pour récupérer les composants électriques. Ok. Par là-bas. Bah juste faire ça en fait. T'es même pas obligé de me faire chier avec la base. Par contre, un truc qui est cool sur ce jeu, c'est que quand on détruit les bases... Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui, je vais réussir à sortir là. Et quand en gros on détruit les bases... Quelque chose t'a fait peur ? Wow. On voit petit à petit la nature qui reprend... Les droits dans la zone. Genre littéralement dans la base en fait. C'est genre le détail qui fait zizir. Mais t'es passé par où encore ce couillon? Par là. Ouais. Et où? Te voilà. Tu l'as avec toi? Oui, je l'ai avec moi. Oui, oui, bien sûr. Ça m'a l'air d'aller. J'espère que ce n'était pas trop compliqué. Vous êtes sérieux? On a été dans une base juste pour pouvoir remettre des câbles avec ses mains? C'est quoi cette stupidité incroyable? Entrer dans l'aile. Une porte qui est ouverte? Oui. Ça ne fonctionne pas. Ces machines sont étranges. Comment ça marche? C'est juste le carburant. Oh, si tu le dis, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Ça devrait alimenter la ventilation. La ventilation? Quel mot particulier? Qu'est-ce que c'est? Ça va faire sortir le Yavin. Attends, je dois simplement relancer le système. Ça devrait suffire. Devrait? J'apprécie ton optimisme. Bon. Et maintenant, il devrait y avoir un panneau de contrôle quelque part, non? Est-ce que ça suffira pour tout nettoyer? Je dois activer d'autres vannes. Mais ça devrait le faire. Oui, attends, pendant que c'est moi qui fais tout, je te dirai rien.
Tous les coups, on va devoir aller sous l'eau, vous allez voir. Ouais. L'angoisse de ma vie. Les niveaux aquatiques, baby. Là, ça va, le jeu est sympa. Easy. Bon, on a fini. Apparemment, on n'a pas fini. Ah non, on n'a pas fini. Non. Je sais pas où je vais, les gens, je comprends rien là. Je pense pas qu'il faille que j'aille là-bas. Sous l'eau là. Ah là là. Tu regardes quoi maintenant? Ah, je crois que c'était le dernier. Alors, je suis où? Charge. Easy. Ah, oui, tout est là, je le savais. Alors, voyons voir. On dirait qu'il a mélangé ça avec celui-là. Je pense vraiment qu'il y avait des feuilles spartiates. Ça en a l'apparence et l'odeur. Quand elles pourrissent, elles ont ce parfum acide, mais il faut en prendre des fraîches. Je crois qu'il faisait une sorte de thé avec ça. Oui, pourquoi pas. Avec de l'épineuil, ça pourrait vraiment marcher. C'est quoi ça? Tap con 1? Je ne sais pas. C'est sûrement Sioul qui l'a trouvé. Mais ça, ce symbole... Je dois dire qu'il est plutôt joli. Il y en a d'autres dans le coin. Il y en a d'autres? La tape, jusqu'ici? C'est pas normal. Je dois les retrouver. Tout est dans le Yavé. Mais, attends une seconde. Et voilà, j'ai réussi. J'en ai assez pour une dose. C'est pour toi. Tu as le droit de savoir ce qui est arrivé à ton peuple. Faites que ça marche. Sioul ne se trompait jamais. Tu peux entrer dans le Yavé en toute sécurité maintenant. Ma tête a coupé. Ce symbole de la tape, tu te souviens où tu l'as vu? Oui, dans les Landes. Il y a un gros rocher, des arbres arrachés, mutilés par les ailes de métal. Bonne chance, tu peux y arriver. Ah, je suis immunisé maintenant. Alors, on va voir si je suis immunisé.
Effectivement. Siul est mort, mais j'ai rencontré un Kametire, Okur, qui a accepté de m'aider. Et j'ai trouvé un logo de la RDA sur l'atelier de Siul. Tapcon 1. Tu sais ce que ça veut dire? Nor, tu m'entends? Oui. Con 1. C'est ce que je vois. Dans mes cauchemars. Quoi? Je comprends pas. Je vois ce nom. Il fait sombre. Puis une lumière se braque dessus. Je n'ai jamais su ce que ça voulait dire. Ça n'a aucun sens. C'est si loin de notre école. Je ne me souviens de rien. Je me rappelle seulement que j'étais là. Dans une sorte de montagne. Je crois. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes connectés à cet endroit. Oui. Nous devons le trouver. Okur m'a dit où Siul trouvait son matériel de la RDA. Je vais y aller. Tu penses que c'est Tapcon 1? On va bientôt le savoir. Et là, boum, on est des clones. Pas la zone. Dans la brume. Faudra que je regarde sur ma tête où j'en suis dans le jeu. Oh, c'est loin! Toi, reste là parce que tu pourras pas y entrer. Il y a un cimetière. C'est ici. Okur ne mentait pas. Et c'est ici. Ah, mon objectif va être en haut. Comment est-ce que je vais faire pour monter ça? Non. Peut-être là-bas. Comment ça, il y avait un scanner? Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à... Pas monter via cet arbre là? Non, je peux pas, je glisse. Bon, allez. Instant recherche. Je passe par là, ça devrait être faisable. Enfin, façon de parler. Ah là, qu'est-ce qu'on se déplace lentement dans l'eau, c'est un truc de fou. Ça fait 3m50, mais on marche comme un nouveau-né, quoi. Étonné que les plantes comme ça aient survécu là-dedans, ouais. Voilà. C'est peut-être lié à... Je ne pense pas que ce soit ça. Bon, vu la taille de la zone.
Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ok, alors on va annuler ça. Non, on va pas prendre encore. Ça. Je me demande si un avion de la RDA envoyé par TAPCON 1 s'est écrasé. Je me demande si. Oui, moi aussi je me demande. C'est forcément pas dans l'arbre. Pas être en bas non plus. C'est forcément cette zone. Mais où? Je déteste leur système d'enquête. C'est tellement mal foutu. La RDA est venue ici, il y a longtemps. La RDA a transporté une cage il y a longtemps. L'appareil s'est écrasé ici. Le pilote s'est enfui. TAPCON 1 doit être dans le coin. Je dois trouver son emplacement et pirater la boîte noire. Voilà. Il faut dire à Nol ce que j'ai trouvé. Hé, hey, Nol ? Tu as trouvé TAPCON 1 ? Non. C'est un très vieux site de crash de la RDA. Mais le scorpion... Non. C'est un très vieux site de crash de la RDA. Mais le scorpion portait le logo TAPCON 1. C'est sûrement ici que Sioul a trouvé la caisse qu'il a rapportée à son atelier. Ça veut dire qu'il y a une installation ou quelque chose dans le coin. Il faut que tu la trouves. Oui. J'ai réussi à récupérer les coordonnées de la boîte noire. Je suis en route. Mais j'ai peur. Tu penses que c'est quoi? Les souvenirs de mon enfance s'effacent un peu plus chaque jour. Mais ce nom, Conne 1, hante encore mes cauchemars. Une chose est sûre. Quelque chose de grave s'est passé ici. Oui, mais quoi, Robert? C'est ça la question. Une expérience qui a mal tourné? Peut-être qu'il voulait gazer la zone avant de repartir? Quoi ça? Oh, vachement abandonné, hein. Ça vous fait pas penser un petit peu au délire spirituel dans Far Cry 5, là? Avec la drogue, je me rappelle même plus du nom. Alors. Je trouve un moyen d'entrer. Bonjour, moyen d'entrée, comment vas-tu? Nol, j'ai trouvé TAPCON 1. Ça a l'air abandonné. Trouve un moyen d'entrée. Notre passé est peut-être enterré là-bas. Vraiment, on entend des cris. Alors, trouve un moyen d'entrer. Facile à dire qu'à faire, là. Rien de piratable dans le coin? Vous me direz, c'est un petit peu con de trouver des trucs piratables parce que techniquement, je pense que la zone ne marche plus depuis des années.
Ah, d'accord, ok. Prise de tête pour rien, comme d'hab. Il faut remettre le courant. Remettre le courant. Il faut surtout trouver le moyen d'accéder au courant. C'est là que je viens, donc c'est forcément pas par là. Quand même marrant, parce que techniquement, je devrais pouvoir être capable de pirater le truc d'ici. Hein. Ça, je dis rien. Hein. Là là, ça fait jeu d'horreur. Ouh, j'ai peur. J'ai le temps. J'ai pas le temps. J'ai le temps. Redémarrage des serveurs. Système en ligne. Tentative de reconnexion au serveur de la RDA. On y voit plus clair. Je sais pas où je vais. Ouh, c'est que ça sent le truc de clonage cette histoire. Je n'aime pas cet endroit. Non, tu crois? Ici. Je vais aller jeter un œil. Hey, j'ai trouvé des cages et des chaînes. Pour les animaux ou les gens. C'est horrible, Noel. On dirait qu'ils ont mis des navires en cage. Il y a une porte plus loin. Une prison. Mais qui ont-ils amené là-bas? Je ne sais pas. Je vais voir ce que je peux trouver. Ça va te faire quoi, ça? Courant, bienvenue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, je ne pense pas. Non. Alors du coup, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dans cette zone là? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne pense pas. Non. C'est pas ça. Peut-être pas maintenant. C'est peut-être lié à... Oh. Il y avait des enfants Na'vi, Nol. Ils ont fait un dessin sur le mur. Alors c'est une autre école de la tape. Ça n'a pas l'air d'être une école. Il y a des lits de fortune. Tout est vieux et cassé. Alors c'est difficile à dire. Traités comme des animaux. Nettoyés, désinfectés. Nol, je... Qu'est-ce qu'il y a? Cet endroit était une prison, pas une école. Ils nous ont menés ici, enchaînés, et ont pris toutes nos affaires. Comme des animaux. Ils nous ont privés de tout ce qui était nazi, y compris notre famille. Les douches, pire que celles de l'école.
Je peux encore sentir le désinfectant qu'ils utilisaient sur nous. Ils disaient toujours qu'on était sales. Je me souviens de cet enfant qui se lavait toujours les mains. Mercer voulait effacer notre identité, vie. Dénaturer Pandora. Apparemment, tout a commencé ici. Il y avait des lits pour les enfants. On devait être terrifiés, Nor. Je ne veux pas m'en souvenir. Mais il faudrait peut-être. Je vais voir ce qu'ils nous ont caché d'autre. Oh, la nullité! Enfin, c'est pas un système de clonage. Déception. J'ai tellement voulu que ce soit des clones. Et donc, il y en a des clés ici, hein. C'est inaudible. Je ne comprends pas. C'est un labo. Cette odeur chimique m'évoque crainte et douleur. Des échantillons de sang. Ça nous faisait pleurer à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? En vrai, je me demande pourquoi ils n'ont pas carrément, littéralement, créé une compétence de piratage. Que genre, on montrait assez haut niveau et après on n'aurait plus besoin de le faire à chaque fois, quoi. Nor? Tu es là? Oui. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? C'est Ahari. Il... Ahari ? Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai trouvé une photo. Et son dossier est rempli de notes. Ils avaient écrit « Perturbatrice ». Ils connaissaient sa force. Ça leur a fait peur. C'est pour ça que Mercer l'a anéanti. Est-ce qu'Alma a été impliquée depuis le début ? Je croyais qu'elle n'était qu'une professeure. Qu'elle prenait soin de nous. C'est ce qu'on pensait. Mais on n'était que des enfants, après tout. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Tu penses? Comme quoi? Cet endroit a quelque chose d'étrange. Pourquoi l'ont-ils abandonné? Que s'est-il passé? Tu as raison. Il faut que j'en sache plus. Eh bien, vous savez quoi, les gens? On en apprendra plus au prochain épisode. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la... Oui, attitude. Comme David sur le cul. Vous connaissez la chanson, vous connaissez les lyrics, vous connaissez les dictons. Je vous laisse. Je fais un peu tout partout et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur YouTube, bye, bouti, c'est pas vous abonner à la chaîne. Peace.